tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pokémon Master. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve pour une vidéo plus face à face avec nos abonnés. Donc là on est avec ici, la caméra surtout. Avec la caméra surtout. Coucou caméra si tu nous entends. Pour déjà première chose, quelque chose qui vous intéressait tout de suite, hein, bien sûr, vous n'êtes pas là que pour ça. Mais on va faire un concours pour les entre 4500 et 5000 abonnés. On est à 4700, donc on va faire mode boîte. Hein. Un concours pour remercier tous les abonnés, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait et du coup on avait dit qu'on en ferait un. C'est vrai qu'on a été un peu à la ramasse, mais on en a fait un. Donc le principe, je te laisse faire. Merci. Donc le principe c'est, vous voyez dans la vidéo, il y a plein de petits Pokémon un peu partout, petits et gros d'ailleurs. Voilà, la potiche vous montre. Et donc ça consiste en que vous comptiez chaque Pokémon. Et vous nous dites en commentaire le nombre de Pokémon que vous estimez qu'il y a dans la vidéo. Ouais. Si le nombre est exact, je ne serai pas si impartial. Nous ne serons pas si impartial que ça, mais si le nombre est exact, on vous mettra dans un pot commun avec tous ceux qui sont exacts et on tirera au sort pour avoir des lots qu'on vous montrera à la fin. Après, ceux qui ne sont pas exacts, on va dire qu'on sera peut-être un ou deux près. Ouais, on va dire qu'on va pas trop. Surtout qu'il y en a derrière moi. Hein. Comme ça, on verra les gens qui nous suivent et qui prennent le temps de regarder nos vidéos. Attention, il y a des pièges. Hein. Il y a des pièges, oui, comme par exemple... Mais dis pas, c'est le seul piège. D'accord, ok, je ne dis rien. Mais vous voyez le nounours là-bas? C'est pas un Pokémon. Ce n'est pas un Pokémon. Ah non, mais il le voit pas en plus, tu le montres. Mais non. Le nounours. Si, c'était Durzia. Non, c'est pas Durzia. Ah, c'est le Rilakkuma. Parce qu'on le voit même pas avec toi. Pour ce petit nounours. Hein, Nostigon. Oui, Nostigon. Ah d'ailleurs, on pourrait... Ah oui, bah, on va faire un truc marrant. Donc cette vidéo pour le concours. Donc les lots sont... Là. Ici, là, juste en dessous de moi, bon, peut-être que vous voyez à peu près. On les montrera après pour vous suivre la vidéo, tout simplement. On montrera ça enfin. Ils pour vont le... faire début de vidéo. Hop, je vais voir les lots et ouais, vidéo. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, faut que je mette ça pour que je regarde à la fin. Non, mais non, parce qu'il y a des Pokémon qui sont cachés. On faut peut-être regarder un peu. Faut savoir que c'est les Pokémon, peut-être pas que les peluches, ça peut être des objets, quelque chose qu'on voit, un jeu, une console, je sais pas. Ça peut être une image de Pokémon. Alors, combien d'objets Pokémon y a-t-il sur objet, cette vidéo? Figure. C'est ça. Artefact. Ouais. Donc voilà, donc et dans un deuxième temps, on voulait vous dire aussi qu'on va faire une foire aux questions, ou FAQ, ou comme vous voulez. FAQ. Appelez ça comme vous voulez. Et donc, pour commencer, bah, ce sera pour plus les 5000 abonnés, mais vous pouvez commencer d'ores et déjà à nous poser des questions. Si on arrive aux 5000 abonnés, qu'on fait une foire aux questions et qu'on n'a pas de questions, on va se retrouver un peu comme des idiots. Ouais, mais bon, ça. Les questions, ça peut être vraiment truc béaba, ça peut être quel âge avons-nous, des choses qui vous passent par la tête. Pas trop intime, hein. Pas trop intime. Pas trop sale non plus. Et donc voilà, donc la vidéo aussi, bon principalement parce que c'est bien beau un concours, mais il faut quand même un fond. Donc notre fond c'est la collection, enfin notre petite collection de consoles, de jeux vidéo. Donc autant des consoles de salon que des consoles portables. On dit, petite parce qu'il y en a qui bien sûr font beaucoup plus que nous. Certes on a beaucoup de choses mais il y en a Non mais c'est ironique, on en a quand même beaucoup mais... Mais, mais on va pas dire qu'on a, on a une énorme collection parce qu'il y a toujours quelqu'un qui aura plus que nous de toute manière. Donc voilà. Donc cette collection elle porte sur les consoles Nintendo pas mal parce que en fait nous on est plus fans de Nintendo, bah, Pokémon bien évidemment. Pokémon ou Zelda, Mario, Animal Crossing, Pikmin, Professeur Layton. C'est quand même des univers vraiment super spéciaux et vraiment super agréables. Même les musiques, elles sont géniales. Oulala, oh la faute. On coupera ça au montage. Si vous avez entendu la faute de Kim, mettez un commentaire. Pousse-moi, pousse-moi. Et... J'ai travaillé toute la journée, s'il te plaît, merci. Moi aussi, j'ai travaillé toute la journée. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc on va faire plus souvent maintenant des... Enfin, plus souvent. Tu te trouves? Non. Si... En plus, on te voit plus que moi, parce que moi, je suis loin, parce que je suis plus grand, tu vois. Donc, je suis à ta taille. Ouais. Donc, cette vidéo, donc c'est nos collections. Donc, on va commencer à faire peut-être des vidéos de nos collections, peut-être une fois par mois ou une fois tous les deux mois, vraiment petit à petit, juste pour meubler, puis pour montrer vraiment nos vidéos. Donc, en ce moment, il n'y a pas trop de Pokémon, vous inquiétez pas. C'est juste qu'on n'a rien reçu qui valait la peine d'être ouvert en vidéo. On ne voulait pas revenir sur des ouvertures de Booster XY ou Explosion Plaza, parce que c'est pas très intéressant. On aurait pu montrer les cartes qu'on a eues aussi, c'est sympa.
Ceux qu'on a vus sur Facebook. Ceux qu'on a vus sur Facebook, il y a les cartes qu'on a reçues dans un petit colis, c'est bien et sympa. Et aussi, on a eu beaucoup de chance, on a eu un Jirachi Foulard en... et un... Ah, Palkia X. Palkia X en un tripack. C'était monstrueux. Bon, bref. Donc, cette collection, ça porte aussi sur des Tamagotchi. J'ai une toute petite collection, toute petite, hein, Tamagotchi, parce que j'adore ça. Et ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Ouais, donc il y a des Tamagotchi un peu toutes les couleurs. Donc là, c'est les vieux, parce que je sais que ça ressort. Donc, non, c'est moi, le moins vieux. Moi. Comme vous êtes plus jeunes, j'imagine, que nous. Enfin, peut-être pas, il y a des gens plus vieux qui regardent nos vidéos. Donc si vous êtes plus vieux, mettez un commentaire. donc là, on voit les dernières générations, donc c'est peut-être ceux-là que vous connaissez. C'est un tout nouveau, donc en fait, ils ont mis des piles. Je vais pas le dire, hein, mais c'est des grosses piles. Bah, c'est mieux d'un côté, mais en même temps, c'est un peu plus gros. Donc c'est je fais la potiche. Je sais pas si on voit bien, en fait, je m'en rends pas du coup. Donc ça, et puis après, on a les plus vieux où c'est vraiment plus plat, et ça, c'est vraiment des vieux. Ils datent de 2004. Il y en a un de 1997. Ouais, c'est vraiment des petits Tamagotchi, donc ça, c'est quand même des consoles. Voilà. Puisque c'est hop, Tamagotchi, je sais pas si vous voyez. C'est à peu près, c'est, oui, si, si, ça je pense qu'ils voient. Et donc du coup, là, c'est sympa. Après, on passe peut-être aux consoles un peu plus importantes. On va commencer par les consoles de salon. Parce que. Non. Les consoles de portable. Parce que les consoles portables, c'est cool. Donc là, on a une. Bon, je vais pas la sortir parce que j'en ai une à côté. On a une Game Boy Advance bleu, donc ça peut-être que vous l'avez connu parce que ça c'est super connu et tout le monde a eu. À ce moment-là, on peut présenter dans une deuxième vidéo les consoles de salon. On verra, oui, pourquoi pas, ça dépend le temps de cette vidéo, on va essayer pas de faire un truc trop long. Donc c'est ça, voilà, la Game Boy typique, donc moi c'est une Zelda forcément parce que j'adore Zelda. La Game Boy Advance SP avec le petit... J'espère qu'on l'a entendu, sinon j'ai l'air d'un débile. Donc voilà, en plus avec Zelda Minish Cap dedans, voilà. Ensuite on a des 3DS. Bah, je représente les faits dans l'ordre. Ah oui, faits dans l'ordre. Donc là, les Game Boy, ça c'est les plus vieilles. Alors, on a une Game Boy Color aussi, une Game Boy Micro. On a pas été impeccable sur ce coup, mais on se rattrapera parce qu'on va refaire des vidéos, on montrera nos jeux. Oui. Parce que là, c'est vraiment juste les consoles. On a une Game Boy Micro en boîte rose. Qui est là-bas, mais faut que j'y aille. C'est voilà. Game Boy, un micro qui est rose. Hein. La boîte aussi. Vas-y. Meuble. Dis des trucs. On a une Game Boy Color aussi, je sais pas où tu l'as mis. Alors voilà, la Game Boy Micro. Donc ça, peut-être que vous n'avez pas connu parce que... Enfin si, parce que elle est quand même sortie il n'y a pas très longtemps, mais elle ce n'est pas du tout vendue. Et t'as la Game Boy Advance aussi. Oui, mais je sais pas où elle est. On a oublié plein de trucs en fait, parce qu'on a fait ça un peu à la va-vite, sur un coup de tête. En fait, ouais, sur un coup de tête, on a voulu montrer notre collection. Là, voilà, l'écran de la Game Boy Advance, donc est relativement grand, en plus rétro-éclairé, donc sympa. Voilà. Et à côté, on a l'écran de la Game Boy Micro. Mais vraiment, quand on dit micro, c'est... Microscopique. Ça se porte bien son nom. C'est micro. Mais par contre, la définition du coup est vraiment augmentée. Donc pour jouer, alors ça, pour jouer au jeu de Pokémon... Par exemple, Pokémon, bah, ils sont rangés, mais les Pokémon Ruby, Pokémon Saphir, Pokémon Emerald, tous ceux qui sont sur Game Boy Advance, en fait. Du coup, on a une qualité de Pokémon qui est vraiment impressionnante, parce que du coup, c'est vraiment rétréci l'écran, et c'est pas du tout, c'est beaucoup moins pixelisé que sur des grosses Game Boy, et du coup, c'est vraiment sympa. Du coup, on a une Game Boy Color, que je trouve qu'elle est bien. Ouais, mais on n'a pas la boîte, donc... On n'a pas la boîte. C'était une vieille à moi que j'ai eue quand j'avais... quand c'est sorti. C'est ça. Donc très vieille, mais en bon état, ça va, hein. Vite cache-pile, j'ai tout, hein. Ouais. Et l'écran qui est un peu rayé. Après, du coup, on passe au DS. Je te laisse présenter. Non, tu veux que je présente bah, du coup, bah, d'abord. Non, celle-ci. La DSi, c'est la plus vieille. Ah oui, pardon. Vas-y, donc la DSi, avec un objet Pokémon qu'il faut compter dans le. Donc la DSi, qui est dedans en fait, cette console. Donc un objet Pokémon. donc la console Pokémon noire. Donc il faut savoir que cette console, il y a une Pokémon blanche aussi qui est sortie. Oui. Et on l'avait trouvé pour pas très cher en plus. Non, pour pas très cher, dans un Leclerc près de Paris. 75€. 75€, neuve. Donc du coup, elle est vraiment neuve. Bon, je vais pas l'ouvrir parce qu'elle est neuve. Et dedans, il y a le jeu scellé et la console. Donc avec, je sais pas si vous voyez, mais des petits dessins de Zekrom et Reshiram en fait dessus. Donc c'est assez sympa, ça fait une super console. Et donc du coup, ça fait un bel objet Pokémon. Bon, après, la boîte ça va faire 10 minutes. Et un peu, oui, donc faut qu'on pense. Vas-y, si tu veux. Alors, mais je sais pas faire. Donc je repose. Donc cette console, donc petite coupure. Petite coupure pour éviter d'avoir une qualité médiocre, comme ça on a une bonne qualité de vidéo, mais bon, il y a des petites coupures. Après, on peut passer à la DSi XL. Donc là, on est 25 on n'a pas la DS Tank.
mais c'est pas grave, vas-y. Pour les 25 ans de Mario, ça mettrait téléachat, mais c'est pas grave. Cette donc, console. Pour les 25 ans de Mario, qu'on n'a pas acheté trop cher non plus. Mais un peu plus cher. Ah ouais, peut-être un peu plus cher. 90 euros. Ouais. Et donc avec la Game Boy. Bah ça, tu peux la sortir parce qu'elle est neuve. Pour la montrer vite fait. Si j'ouvre le côté, pas neuf. Vas-y, meuble, meuble. Donc, Nintendo. Et qui va qu'elle est avec la Wii rouge qu'on n'a pas d'ailleurs. Ah, mais on l'avait déjà, du Super Mario, je suis bête. Ah, bah oui. Bon, on l'a deux fois. On vient de penser que voilà. Alors, donc celle-ci qui allait avec le jeu New Super Mario pour les 25 ans de Mario, sachant que cette année, il y a eu, pour ceux qui regardent un peu les jeux vidéo, il y a eu les 30 ans de Luigi. Donc c'était aussi les 30 ans de Mario pour savoir, mais comme ils avaient fait il n'y a pas longtemps ouais, les Mario. 25 ans de Mario, ils n'allaient pas refaire encore une fois, pas encore une fois. Du coup, il y a Toad... Ouais, là en fait on a, je sais pas si vous voyez, on a... Ah non, c'est un petit champignon. Toad... le champignon, la fleur de feu, l'étoile et la caméra. Et un rond. Et un rond. Donc voilà pour les 25 ans de Mario. Enfin, on aime bien avoir des choses illimitées parce que tout de suite ça rajoute de la valeur. Il y a une console qu'on n'a pas, donc dites-nous si vous l'avez. Parce qu'on n'est pas à la recherche, mais ça nous intéresse parce qu'elle est super jolie. Et de savoir si vous l'avez, parce que sachant qu'elle est limitée qu'à 5000 mAh, c'est la 3DS XL Pikachu. Cette console, on a vraiment hésité. Ouais, surtout qu'on avait déjà acheté la 3DS donc Zelda qu'on vous montrera tout à l'heure. Et en fait, on pensait qu'elle n'était pas limitée. Donc quand on a su qu'elle était limitée, on était un peu déçus de ne pas l'avoir achetée. Mais... Bah, parce qu'on pensait l'avoir plus tard en fait, on ne voulait pas l'acheter tout de suite. Et au final, on a vu qu'elle était limitée, on n'a pas pensé et bah tant pis quoi. Mais bon, ça c'est pas une console qui est... Enfin, elle est sympa. Après, ouais, je préférerais avoir moi les... Pokémon Center. Ouais, c'est ça, ouais. Celles des Pokémon Center, elles sont vraiment cool. Ouais. Et donc voilà, ah oui, on a aussi la... Bah, je montre ma 3DS qui est cachée là. Du coup, on passe au 3DS maintenant. J'ai la boîte, mais... Qui est au fond. Oui, ouais. T'as là-haut, là. Bah voilà. Donc la 3DS Dory et Zelda pour le 25e anniversaire de Zelda. Donc c'était le 25e anniversaire de Mario, et là c'est le 25e anniversaire de Zelda, avec la dorure qui va avec pour Ocarina of Time 3DS. Quoi. Qui donc, va d'ailleurs avec le pad un peu quand même. Donc celle-ci, elle est limitée à 10 000 exemplaires en Europe, cette version-là, et dès que je l'ai vue, de toute façon, je l'ai pris. On a eu du mal à la trouver, mais on a eu de la chance. On a fait beaucoup de magasins, c'est... Et on l'a trouvé. Et on l'a trouvé. Juste ensuite, à côté de chez nous, d'ailleurs. Je te laisse présenter ta console. Donc là, c'est ma console Animal Crossing, qui est limitée aussi, mais peut-être beaucoup moins que certaines, comme les Pikachu ou la Zelda. Donc moi, je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup Animal Crossing, et en fait, j'en ai cassé une et j'ai dû racheter. J'ai dû la racheter. Merci de me couper la parole, c'est très gentil, c'était pas. C'est moustillon, c'est pas moi. Bref, donc voilà, une deuxième console, donc c'est la mienne, plus 3DS XL. Après moi, plus pour les hardcore gamers, non, je rigole, pour les mâles en folie, la PS Vita, enfin vraiment plus adulte, parce que c'est moins enfantin comme... Tais-toi, moustillon. C'est moins enfantin comme univers, parce qu'on va avoir Uncharted, Call of Duty... God of War, bon, c'est sympa, mais... Faut quand même rester un peu sur du Nintendo. Ah si, Little Big Planet, moi j'aime bien. Oui, mais c'est enfantin aussi. Donc voilà. Ensuite, on va peut-être passer... Bon, on va faire les consoles de salon, hein, parce que là, on a fini. Il est d'accord. On va passer aux consoles de salon, mon style. T'inquiète pas. Je vais l'éteindre. Oui, je vais t'éteindre parce que... T'es un peu relou. Voilà. Alors, du coup, on va passer... Alors, est-ce qu'on peut parler de la plus vieille qu'on a? C'est celle-ci. Ah, vas-y, tape dessus. Voilà. Donc ça, on avait trouvé en vide-grenier pour vraiment pas cher, si on était vraiment content. Ah là là, qu'on l'a trouvé... Sachant qu'on l'a trouvé en plein milieu de journée en plus, il n'y avait personne dessus et on était content. Parce que pour toutes les fois, on a loupé des consoles en vide-grenier, alors là, on était super content. Donc la NES, forcément. Hein. Donc la NES, il n'y a pas de Pokémon, hein, bien sûr. Bon, après, vous la connaissez, parce que tous ceux qui sont sur YouTube connaissent le genre du grenier. Donc la NES avec... qu'est-ce qu'il y a comme jeu qu'il a testé dessus? Zelda. Ah non, il n'a pas testé. Ah non, qui l'a testé dessus? Je sais plus. Tortue Ninja. Tortue Ninja qui est très nul. Il y avait aussi les Disney, style DuckTales, c'est tout, non? Si, non, DuckTales c'est un très bon jeu. Oui, mais il peut essayer. Possible. Donc voilà, donc ça avec le Zelda 1, Zelda 2, Megaman. DuckTales. DuckTales. Qu'est-ce qu'on a aussi dessus? Oh, on en a un scellé. Howard Hawk là, je sais pas quoi. C'est le truc avec. Hudson Hawk. Hudson Hawk. Il est pas scellé, il est neuf. Oui, neuf. Enfin, il est en très bon état en boîte.
On a trouvé aussi. Ensuite, on passe à la génération juste au-dessus. Boum, paf. La Super Nintendo. T'inquiète, je pense qu'on voit. Oui, mais comme ça, ils vont voir les Pokémon qui sont derrière moi. Ah oui, il y a des Pokémon là aussi. La Super Nintendo, donc là, avec le majestueux A Link to the Past, qui est là dans le tas. Donc vous verrez un peu notre collection de jeux vidéo après, parce qu'on va faire vraiment des vidéos plus centrées, genre nos jeux Pokémon sur Game Boy, nos jeux, je sais pas, jeux Sonic, nos jeux... Bah surtout Zelda, hein. On a vraiment beaucoup de Zelda. Hein. Zelda, Sonic, Resident Evil, Crash Bandicoot... Sailor Moon, Puzzle. Sailor Moon sur Super NES. Sailor Moon sur Super NES. Ah oui, Sailor Moon aussi. Mais sinon après, ouais, ça va être... Bah si, ce qui est bien, ce qui était bien sur cette console, est vraiment bien, c'est le Super Game Boy. C'est-à-dire qu'on peut jouer aux jeux de Game Boy sur la télé. Donc ça, c'est vraiment génial parce que on peut jouer à Pokémon Rouge et Pokémon Bleu sur télé, et Pokémon Jaune aussi. Et Pokémon Jaune. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on passe à la génération juste au-dessus. Donc ça, ça c'est la console qui a bercé mon enfance. Non, bah, c'est pas la mienne. Ah non, mais toi, t'as moins été jeu peut-être. Ben moi j'étais plutôt, et je vous dirai plus tard. Enfin. Voilà, ça sera plus tard dans l'histoire du jeu vidéo. Voilà, c'est ça. Bah non, c'était en même temps. Hein. Oui, c'était en même temps. Mais dans une autre c'est ça. Catégorie de console. Donc moi la Nintendo 64 pour tout simplement Zelda Ocarina of Time et Zelda Majora's Mask. Donc mes deux jeux favoris. Il y a aussi Super Mario 64, Mario Kart qui était génial, et plein d'autres jeux. Sachant que sur cette console, c'était les premières fois qu'il y avait sur console de salon les Pokémon. Pokémon Stadium et Pokémon Stadium 2 et Pokémon Snap. Le truc où tu photographies des Pokémon comme un gogol, clac, clac. C'était génial. Ah non, mais c'était ouf. Ensuite, si je me trompe pas dans la chronologie. La GameCube ? Non. Mais non, on fait. La Nintendo, d'accord. Nintendo. Donc dans la chronologie GameCube, donc il y avait Pikachu. Et puis le Zelda aussi. Alors, j'expliquerai pour Zelda. D'accord, donc on a le Mario Kart Pack, donc il y a le jeu Mario Kart bien sûr, avec la console en version grise, parce que ce pack il est sorti en version grise, version bleue, non, si, version grise, blanche. Version violette et version noire, et version blanche, blanche je crois, pas sur la blanche, mais c'est pas grave, après c'est toi qui l'as dit. Donc les packs comme ça, ça a toujours tout plus valeur, parce qu'après on peut trouver les GameCube comme ça, juste sans pack, mais avec le pack en fait... Enfin, on voit que c'est... Il y a c'est... des gros collectionneurs hein, de GameCube. Hein. De pack, quoi. D'ailleurs, on a été contactés... Ben, on vous dira après, c'est sur la Zelda. Donc, je vous présente la Zelda. Je me mets là. Ouais, vas-y. Pour qu'on voit, bien sûr. Ouais. Donc, le Zelda pack, normalement, qui est en français, qui est gris. Et là, qui est violet, parce qu'en fait, c'est une collection Zelda... Enfin, le pack Zelda qui est sorti en Belgique. Donc, en français, mais en version violette. Et en fait, on a été contacté par un gros collectionneur de GameCube qui nous voulait nous racheter juste le slide, c'est ça qu'on a. Ouais, juste le carton. En juste fait, le carton qui est autour pour assez cher. Mais on a refusé parce que nous, en tant que collectionneur, enfin surtout toi, collectionneur de Zelda. Zelda. Oh. En plus, c'est le Zelda Wind Waker. Donc là, ça arrive plus sur votre génération si vous êtes plus jeune. Le Zelda Wind Waker, c'est vraiment un super. Et tu peux rentrer, je pense. Vas-y, rentre dans la vidéo. Donc c'est un Zelda qui est vraiment génialissime. Bah d'ailleurs qui est ressorti sur Wii U. Qu'on a en version collector que je joue tout de suite. Oui. Voilà, là on doit pouvoir le voir ici, avec la figurine de Ganondorf. Donc voilà, après... Donc on passe, on n'a pas la Wii. On a la Wii, on a la Wii, mais pas chez nous. Pas chez nous, parce que c'est pas une console qui est transcendante. Il y a pas... Ouais. Enfin, il y a des jeux bien dessus, mais c'est toujours tout de suite moins intéressant, parce que c'est une console qui a été énormément tirée. Et qu'on trouve vraiment partout pour une misère. Et puis final, surtout qu'on... En fait, on avait la Wii, on l'a redonnée à tes parents parce qu'on a acheté la Wii U. Voilà. Donc et comme Wii... c'est rétro-compatible. C'est ça. Donc au final, on peut jouer au jeu de Wii sur la Wii U. Il me semble. Hein. Oui. Donc là, la Wii U en version noire qu'on a eu le jour de sa sortie. Version Nintendo Land. Parce qu'on était impatients et au final, on n'a pas regretté, mais un peu. Non, la Wii U est très bien. Pokémon Rumble. Donc Pokémon Rumble qui est juste génial. Enfin, vous pouvez regarder nos vidéos. Regardez notre let's play. Non, en plus on était les premiers à le faire. Hein. Nutitoff nous a copié. Non, c'est pas un jeu qui nous appartient. Enfin, ça appartient à personne les jeux. Donc la Wii U pour les petits jeux. Qu'est-ce qu'on a On a acheté Zelda Wind Waker. On a Pikmin 3. le jeu de merde. Super... Just Dance. Non, Super Mario. Ah, New Super Mario Bros. Ouais. Si, il est bien. Ah non, New Super Mario Bros. Wii qui est nul, mais nul. Sur Wii U. Oui. Oui, c'est qu'on a vendu et on a racheté le World, le 3D World qui est vachement bien. Super Mario 3D World, mais qui est génial. Donc si vous avez la Wii U, achetez-le. Surtout à 2-3, c'est vraiment drôle. C'est super drôle.
Et c'est vraiment drôle, voilà. Alors, je crois qu'on a fini avec la Nintendo. Après, on doit avoir des consoles, enfin des autres versions de Game Boy ou tout ça qui sortent. Et on va passer à ma génération que moi j'ai connue. Enfin, ah, c'est ma génération, moi oui, c'est mais du... c'est moi qui l'ai connue. Ah, mais je l'ai pas eu, moi. Oui, toi, tu l'as c'est pas mon eu. Oncle qui l'a. Donc, c'est la PS1. Oh, je savais, c'est pas Nintendo. Mais moi, j'ai eu la PS1. J'ai eu surtout Destruction Derby et Nagano 98. Super. Le meilleur jeu du monde. Alors là. Pokémon, c'est nul. Comparé à Nagano, c'est nul, Pokémon. C'est vrai, c'était génial, Nagano. Attends, quand je jouais... Chacun ses goûts. Oui, non, mais bon. Non, bref, moi, j'ai eu ça. Bah, moi, en fait, j'ai eu un grand frère, donc du coup, moi, j'ai connu la PlayStation 1. Mmh. Pour concurrencer cette PlayStation 1, je sors la Xbox. Vas-y, Xbox, bah, go. Non, c'est la PlayStation 2, la Xbox, non? Non, c'est la PlayStation 1. Ah bon? T'es sûr? Parce que moi j'aurais dit la PS2, Xbox, ah non, c'est la PS2. Xbox 360, PS3. Oui, non, c'est la PS2, j'ai rien dit. Bon, non, mais c'est si, c'est mitigé, je sais plus. Donc, et donc pour continuer, moi je l'ai eu aussi, toi aussi. Hein. Mais pas en comme ça, moi mais je l'ai pas en comme gros... ça, moi non plus, j'ai eu en gros fat. Du coup, on l'a racheté récemment parce qu'elle est vraiment stylée comme ça, elle est marrante. Ouais. J'ai l'impression qu'elle va se casser. Hein. On peut la ranger dans une bibliothèque facilement, donc c'est cool. Donc là, pour des jeux plus comme Dark Cloud, je sais pas si vous connaissez Dark Cloud, alors Dark Cloud, c'est génialissime. Bah après des Final Fantasy, des choses comme ça quoi. Ah ouais, sur PS2. Et sur Xbox, jeu... par contre, là... oui, vas-y. Non, c'est des trucs de merde. Bah c'est pareil, j'ai eu un grand frère qui aimait le foot et. Si, la GTA, voiture. GTA. Ah oui, GTA. GTA, c'est génial, GTA. Et pour rivaliser avec la PS2, c'était la Xbox. Donc la Xbox, moi je l'ai pas eu. Tu l'as pas eu non plus. Non. Je sais que dessus il y a des jeux très très bons, mais je sais bah, qu'il y a des Halo. Jeux. Ouais, bah j'ai jamais joué. D'ailleurs, c'est pour ça que vous savez que la console, on l'a depuis exactement 2 jours. Celle-ci, on l'a trouvée il y a 2 jours. Donc pour l'instant, on n'y connaît, et puis, connaît pas grand-chose. Pas cher. Hein. Enfin, on connaît pas rien, puisque récemment, nous avons acheté... La Xbox One. La ah One. Oui, mais attends. Ah ouais, on n'a pas la 360. Bah, on peut rien vous dire. Donc la One. La Xbox One qui est... Mais t'as oublié la PS3. Qui est majestueuse. Mais oui, mais la Xbox One et la PS3. Qui sont que. Non, on n'a pas la PS4, mais bon, il y a la PS3 déjà. Donc la PS3, par contre, moi j'ai beaucoup, 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 beaucoup joué. Notamment Call of Duty, oui. Bon, oui, moi Call aussi. Of Duty, ouais. Moi aussi, j'ai joué à Call of Duty. Et quoi on a joué? Bah, Diablo 3. Diablo 3, moi je joue à énormément joué. Donc dites-moi à quoi vous avez joué sur PS3, parce que beaucoup de gens ont eu la PS3. Enfin, dites-nous un peu tout sur ce que les... vous avez eu, ce que vous avez... à quoi vous avez joué. En plus de vos réponses du concours, enfin pour le nombre de Pokémon, dites-nous à quoi vous avez joué, combien vous avez eu de enfin quelle console avez-vous. Remarque, si vous faites une collection aussi, ça peut être sympa de savoir. Et pour finir, on a eu bon là, c'est la console auquel on joue en ce moment, c'est la Xbox, parce que il y en a Rise. Et on joue à Lego. Lego, la grande aventure, tout est super génial. C'est génial. Ah, c'est bien, ouais, franchement c'est bien. Le film on a adoré le film et. Le film est génial, donc il n'y a pas de raison que le jeu soit pas bien. Voilà. On a juste commencé. Hein. Je crois qu'on a fini avec notre collection de consoles. Donc... Bah oui, et la Mega Drive. Ah oui, donc... alors oui, donc la Mega Drive, nous ne savons pas où elle est, donc on l'a perdue. Quelque part dans l'appartement. On a aussi la Sega Saturn, donc ça c'est une console qui est vraiment pas connue, enfin qui est très peu connue. C'est une Sega avec des CD en fait, mais qui était une Sega avec des CD. Non, c'était nul ça. Ah oui, c'était très nul. Donc c'est une console de jeu où dessus il y a eu des Sonic, bah, du Sonic 3D que Jour du Grenier a joué. Il y a eu un très bon jeu. Ouais, d'accord. Ouais. Et tu vois celui que tu voulais acheter là. Pandemonium. Oui, c'est ça. C'est pas un bon jeu. Bah il est sorti sur PS1 aussi. Ah bon. Et donc oui, donc il y a des jeux qui sont sortis, il y a des grosses licences comme Resident Evil, choses comme ça. Et bon, c'est une console qui a un peu moins marché, donc celle-ci elle est un peu plus dure à trouver. Et nous avons aussi la super CD Philips. Qui est très très très... La plus belle console du monde. Un magnétoscope. Quand vous dites que la Xbox c'est un magnétoscope, vous voyez ce que c'est un magnétoscope. Voilà, ça c'est un magnétoscope. Donc ça c'était pour jouer au Zelda, Link's Face of Evil. Et le truc avec Ganon. Wand of Ganon. Avec Ganon. Ganon. Avec un peu longtemps graphique. Avec Link qui part pour la première fois. Qui fait des patins roulettes. Franchement, il aurait mieux fait de se taire. C'est ça. Donc voilà, donc un peu notre collection, bon, il manque peut-être des choses et puis on aura peut-être d'autres choses d'ici qu'on fasse les autres vidéos. Non, on revient à la Dreamcast. Ouais, donc si vous avez une Dreamcast à vendre, pensez à nous. On est là. Et non mais voilà.
Donc ça, on va faire d'autres vidéos aussi après où on montrera vraiment plus les jeux. Ouais, Ça sera les peut-être jeux plus finaux. intéressant pour vous parce que là, c'était vraiment pour montrer, pour meubler et pour faire un petit concours un peu plus original que d'habitude, plutôt que de mettre je participe et un numéro. Donc là, ce que vous faites, ce que vous avez juste à faire, c'est... les lots quand même. Alors, je te passe le numéro... Le lot numéro... Alors, il y a 5 lots, 5 lots, sachant que je trouve qu'ils sont un peu mieux que d'habitude. Enfin, moi, j'aime bien. Ça va, il se lance des fleurs. Moi, j'aime bien. Donc, Moi, j'aime bien. le lot numéro 5. Un booster explosion plasma parce que c'est pourri. Pas si pourri que ça, attends. Un booster explosion plasma. Un booster à explosion plasma. Donc, pour le numéro 5. Ensuite, pour le numéro 4 et 3, un booster 4 X et et 3. Y. Pour le numéro 2, un booster Y et... Kangourex X, si vous l'avez pas déjà, si vous n'avez pas acheté de White Blaze. On a eu 6 fois Kangourex X. Donc, Là. prenez-le. Celui qui ne prend pas, on le tue. Et pour le premier, donc un lot quand même assez sympa, Alors. un Kangourex X. Juste ça. Donc Donc un XY, un Kangourex X et un petit surplus quand même, des belles pochettes Dracaufeu, méga Dracaufeu ouais, XY. qu'on trouvera jamais en France sûrement et qui sont en rupture au Japon. Donc voilà. Donc voilà, j'espère Que cette vidéo que vous a ça vous a plu, plu. donc n'hésitez N'oubliez pas, pour participer. pour participer, le nombre de Pokémon. Alors le nombre de Pokémon, votre console préférée et votre jeu préféré, tiens. On fait ça? Oui, et Allez. Les questions Et de la des questions, oui, future pour la foire aux questions, si vous avez des questions. C'est bon? Ouais, On est good? on est good. On est good. Donc on va dire à Moussillon de nous dire au revoir. S'il veut parler, parce que des fois il est un peu. Donc, Voilà. Moussillon, qu'est-ce que tu... Alors, qu'est-ce qu'il faut pour participer au concours? Voilà, j'espère que vous Du l'avez premier entendu. coup, franchement, du premier coup. Ça marche jamais d'habitude. Des fois, il parle pas. Et ça se trouve, on l'entend même pas dans la vidéo. Mais Ouais, bah c'est on ça. essaie, on testera avant. Donc, voilà. Donc, participez, envoyez un message à Moustillon au 75 rue. Je rigole. Et donc, voilà. Donc, Donc j'espère que le cette vidéo numéro. vous a plu. Si elle, vous l'avez trouvée chiante, mettez que c'était chiant et on n'en refera plus jamais. Nous, on est vraiment très contents de vous montrer notre collection. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Qu'on est content de faire et on est fier de montrer, même que voilà, on n'est Fier pas. de notre collection! Demandez surtout pas son âge et il vous mentira. Donc, oubliez pas le concours, la foire aux questions et votre jeu et de console préféré sur toutes les consoles, n'importe C'est ça. lesquelles, des pas connus, des très connus. Donc voilà. Donc voilà, Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo de Pokémon Master, soit pour des ouvertures Pokémon. Et je rajoute un autre Pokémon à rajouter pour ceux qui n'auront pas regardé jusqu'à la fin. Voilà, je rajoute un Pokémon qui n'était pas dans le champ de vision. Donc rajoutez un numéro à votre chiffre. Et on vous dit... À bientôt dans une nouvelle vidéo de Pokémon Master. Et merci à tous les abonnés! Au Allez, revoir! salut! Bébé, t'es un guignol.